centuries, Mystralia's inhabitants led happy, prosperous lives in the valley, ruled by mage kings. Individuals who exhibited the gift for spellcraft were raised by the royal family. Until the troll plague. Commoner, noble, none were spared. Not even the royal family. The crown was passed to a young, untrained mage. Aetius, first of his name. Oh, ça a l'air d'être un gros connard. He dabbled in forbidden uses of the gift, which consumed him. The Mad King destroyed entire villages. He had to be stopped. Thus began the age of the Marquis, where magic is forbidden. But once every decade, a child still is born with the gift. She's a witch! Brûlez-la au bûcher! Au bûcher! Ah pardon, l'utilisation de la manette de jeu est conseillée. Très bien, très bien. Ça tombe bien, je l'avais branchée. Alors, elle est où par contre? Ah, il me faut un peu plus de câbles. PC, fais pas ton... Voilà, merci. Ok, bon. Alors voyons voir ce que ça donne. Hein. Écoutez, on plonge dans l'aventure directement. Alors, au niveau du son, on va peut-être baisser un tout petit peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas trop envie... Parce que même si la musique est très jolie, tout ça, j'ai pas trop envie qu'on se fasse défoncer les tympans non plus. Ça devrait aller. Je voudrais qu'on reste quand même un peu dans l'ambiance, donc... La musique? Tu peux revenir? Non. Ouais, je vais le mettre comme ça. Non, avec la manette, c'est quoi? Viser, alterner les sorts. Ok. Oh putain, t'es sérieux? Il faut utiliser la touche back et la touche start? Alors, les sorts sont sur la touche back. Déplacer Zia. Sort, carte, objet. Sort, carte, objet. Le joystick du bas sert à rien. Imédi. Actus Créo. D'accord, ça je pense qu'on va nous expliquer. Ok, je pense que ça sert à rien que je me remplisse la tête maintenant. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Il y avait autrefois ici une charmante clairière verdoyante derrière une chute d'eau près du bois de Mistral avec un splendide pavillon en pierre rappelant un temple. Cette construction ancienne, plus ancienne encore que les rois mages, était utilisée par ces derniers comme un pavillon de chasse, jusqu'à ce que le temps le réduise en ruine. Pardon, plus personne ne s'y rend. Logiquement, si j'ai foutu le feu à tout mon village, je suis caché là-bas, quoi. Oh. Ah, j'ai peut-être un peu trop baissé le son, en fait. Je suis tellement habituée, je gueule que... Comment... Tu le sais, toi? Ton mentor. Ouais, tranquille, tu t'es désigné comme mon mentor, quoi. Oh. Pourquoi? Pourquoi t'as pas d'autre choix? On se connaît? Désolée, c'est un peu bizarre comme début. Genre le mec qui sort de nulle part dans une forêt devant une petite fille et qui lui dit je vais maintenant t'apprendre la vie parce que j'y suis contraint. Ah d'accord, ok, tranquille. En plus tu m'insultes. Je veux pas être une mage, ok? Je veux juste être une petite rousse avec les cheveux beaucoup trop longs. Non. Ah, j'ai buté mon oncle? Mais pourquoi tu m'engueules? J'ai pas choisi, mec. Tu peux donc être de ceux que le marquis fera bientôt emprisonner ou tuer par Magerie. Pour Magerie, pardon. Tu peux devenir une véritable mage et faire le bien dans la vallée. Ok, mais t'es pas non plus obligé de me traiter comme une merde, en fait. Il est super arrogant, le mec. Putain, le relou. Oh, tu vas te détendre, mon vieux, parce que moi, je vais te mettre un coup de cheveux, hein. Tu deviendras une mage, sinon tu périras bientôt. À toi de choisir. Je veux pas mourir, alors du coup, bah, je vais vous suivre et je vais prendre vos bonbons dans votre camionnette. Calme-toi, Zia, ça va aller. Beaucoup trop long, ce dialogue. Allez, go! On est parti à la bordure. Oh, la petite cascade sur le côté, c'était super chou. C'était quoi ce petit... Je peux bouger. Je peux faire des trucs. Sauter? Je peux pas sauter. Je peux rien faire d'autre. Je peux juste me déplacer. Oh, la lampe. Qu'est-ce que t'as, la lampe? C'est parce que j'appuie sur une touche que t'avais un truc? Bon, et j'imagine que je peux rien faire tant que je vais pas parler, alors... Il était temps! Les mages ne passent pas la journée à dormir. Putain, mais il est aggro, le gars! Pourquoi t'es agressif comme ça, Papitou? Calme-toi. Donc, la magie. Magerie, alors, si ce terme te fait moins peur. Si les gens portaient moins attention aux mots et plus aux actions, la vallée serait un endroit bien plus paisible. Viens. Viens. Ok. Tu veux toujours être une mage? En essayant et en échouant, tu apprendras les sorts. Ouh. Wouh. Fire, t'inquiète, ça je sais déjà le faire, j'ai tué tout le monde chez moi. Quel sort? Ah, tu cherches déjà à m'épater avec ton génie. Ok. Je t'ai enseigné la base, mais tu dois maintenant apprendre des véritables sorts. Si on tente de faire de la magie sans connaissance et sans livre de sorts, des maisons brûlent, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien. Mais en fait, il m'enfonce. C'est pas gentil. Quand tu essaies d'apprendre quelque chose à quelqu'un, tu passes pas ton temps à lui rappeler les erreurs qu'il a fait, c'est horrible. Donc essaie, échoue et apprends en même temps. Rends-toi à haut voile où les mages se rencontrent. Nous ne sommes pas seuls. Non, il y en a d'autres comme nous. À haut voile, tu compléteras ta formation. C'est un lieu difficile à trouver, bien caché au cœur de la forêt. Alors, sur le chemin qui mène au plus creux des bois. Tout là-bas, tu me retrouveras pour que je t'enseigne quelques sorts de base. Pourquoi on fait pas le chemin ensemble, mec? vous dire que je vais aller au voile seule? Bien sûr, c'est toi qui veux devenir une mage. Non. Allez, vas-y. Mais ce n'est pas dangereux là-bas dans la forêt? Bien sûr. Mais... Oh, ne sois pas inquiète, petite. Alors le mec, il commence d'abord par t'embrouiller parce que t'as cramé une maison et que il faut pas te laisser seule parce que tu dois apprendre la magie avec quelqu'un de compétent, machin, et que quand même, t'as cramé une maison avec des gens dedans, c'est mal, il veut pas que tu tournes vers le mal, tu vois, il veut que tu tournes vers le bien, il fait que t'apitoyer, de t'en mettre plein la gueule parce que t'as fait une connerie et que tu savais pas que t'étais mage et que t'as pas su contrôler ton pouvoir, mais il te laisse traverser une forêt composée de bois, de feuilles, de trucs qui crament facilement, toute seule, pour que tu le rejoignes et que tu apprennes par toi-même. Ok. J'aime bien la logique du jeu déjà. Si tu rencontres un monstre horrible, il te suffit de le brûler. Bah oui. Tu as bien réussi avec une maison entière. Allez, retourne encore un peu le couteau dans la plaie. La vie est si simple, n'est-ce pas? Ok, t'as l'air d'être un sacré connard quand même. Je voudrais pas balance, mais... C'est lui le méchant du jeu, je vous dis d'avance. Je peux rien faire... À quoi ça sert de mettre des objets avec lesquels on peut interagir si on peut pas interagir? Oui, c'est un point de sauvegarde, la lampe. Ouais, clairement un point de sauvegarde. Alors la DA, je trouve ça hyper mignon. J'aime beaucoup. C'est entre le dessin et la 3D. Je trouve ça très très chouette. T'es sérieux? Ok. Donc en fait, dès le début du jeu, on te met des pièges pour que tu crèves, quoi. Rien faire. Je peux rien faire. Bon, un très long couloir. Mais attends, mais non. Mais il y a 2 secondes, je suis morte dans l'eau. Et là, elle s'est nagée. Ok. Ouais, qui pas. Voilà, et là elle sait plus nager. C'était juste pour vous montrer, hein, parce que c'est drôle. J'ai toujours pas d'autre option. J'aime bien là, le fait qu'ils incorporent les crédits comme... Comme dans un film. Les musiques sont cool comme tout. C'est trop joli, regardez ça comme c'est beau. Ah, ils ont animé les petites planches et tout. Ah, c'est stylé, je kiffe. Comme ça au calme dans la forêt, il y a un livre sur un piédestal qui attend quiconque s'en approche, quoi. Je sais pas si c'est un jeu à la ICO, Shadow of Colossus, tout ça, où on t'apprend à discerner le bien du mal par des détails et tout, parce que jusqu'à présent, notre mentor, je l'ai pas trouvé très agréable. Et là, le livre parle avec une voix un peu mystique, chelou, et c'est sur un nuage de fumée noire, alors. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va un peu se faire manipuler quand même. Ce livre de sort semble communiquer télépathiquement avec moi. Je ne pense pas que le livre de Mentor fasse ça. Parce que Mentor, lui, il passe pas par la forêt pour se rendre là où il doit aller. Du coup, il a jamais trouvé le livre. Oula, il y a une petite baisse de framerate dans cette zone. Je sais pas si c'est l'eau qui est compliquée à ça. Pourquoi tu... J'ai vu une fenêtre s'ouvrir là. Ah, c'est ça là-bas. Permet de créer des sorts instantanés tels que des objets et des jets d'explosion.